Après avoir passé plusieurs heures à fouiner et à magasiner sur la toute branchée rue Saint-Denis à Montréal, j'ai franchi pour la première fois la porte des trésors d'autrefois. Parmi les monticules d'objets empilés jusqu'au plafond, se tenait debout dans le chaos un homme en chemise-cravate qui prenait un soin méticuleux de l'un de ses trésors. Au fond de cette surprenante boutique d'antiquaire, je venais de trouver quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Une nouvelle amitié qui m'inspirerait ce film. Je ne suis pas cinéaste, mais comme Lucio n'est pas ébéniste non plus et qu'il ne se soucie pas vraiment de l'opinion des autres, j'ai décidé de faire pareil et de plonger. Parfait. Il y a 17 ans de ça, que les gens couraient beaucoup le... les choses de deuxième main usagées et des choses pratiques. Donc les gens s'adaptaient beaucoup à tout ce qui pouvait se réparer eux-mêmes. Donc on les vendait tels quels. Aujourd'hui, les gens sont devenus beaucoup plus exigeants. Tandis qu'avant, nous, on vendait beaucoup pour les étudiants. Les étudiants qui venaient chercher des chaises, un bureau de travail, une commode, des choses pratiques. Alors, c'est ça qui fait changer aussi la clientèle. Nous, pendant des années, on avait vraiment une clientèle, disons, très variée, mais... La marchandise roulait beaucoup. Le quartier a changé radicalement. Et nous, on s'aperçoit que la clientèle, c'est même pas du quartier, c'est de l'extérieur de la ville. Des gens qui restent en périphérie, qui viennent passer la fin de semaine, je sais pas, se promener sur Saint-Denis. Donc, un morceau qui est mis à l'extérieur et qui les attire, un morceau décoratif comme une table d'appoint, vanité. Avec la récession, c'est normal qu'on se pose mille et une questions parce que on est quand même entouré de très grands magasins que nous, on est des petits comparativement à ces gros magasins, disons, qui sont dans le neuf et qui ont ça veut dire, mais pas tout le monde est capable d'acheter ces choses-là, hein. Donc, c'est la bonne occasion à la portée de tout le monde. Hein. C'est ça qui est que ça a été toujours la vocation de la boutique. Répondre à tout besoin et les prix abordables. C'est évident que la boutique, on dirait qu'elle a fait son temps. on pourrait l'éliminer parce que... Ça explique un peu le fait qu'avant, il y a des boutiques de brocante, il y en avait à chaque coin de rue presque. Aujourd'hui, bon, même des marchés aux puces, il y en avait plusieurs à Montréal. Là, il y en a juste un. Alors, ça veut dire que dans l'usager, il faut bien faire attention. Ils ne sont pas vraiment... Ça veut dire que le public est un peu saturé de tout ça. Ça, c'est pour une livraison, ça. Faut toutes les faire livrer. Bonjour, ça va? Ça va. Après 15 jours que j'occupais la place, la ville de Montréal voulait me sortir. Parce que elle disait que c'est enregistré nulle part comme commerce. Donc j'ai dû faire les démarches pour le faire devenir commercial, mon local. Et c'est passé. Mais, quoi c'est? Mais, ils sont tous à vitesse aujourd'hui. On traverse, il faut faire attention. Hein? Et puis, je vis à quoi? Parce que je suis jeune, je suis rendu à 29 ans. Next. Il y a eu des périodes que M. Jean était même mon vendeur. Il y avait trop de stock, il filait ça jusqu'au plafond. Oui, mais c'était ça que les gens voulaient. Ouais, ouais. Les gens, ils ont toujours dit, on aime le fouillis. Hein? Oui. Ouais. Elle n'a pas changé, alors? Hein? Ben, on a toujours gardé cette tendance. Il y avait
Il a baissé un peu, mais il n'a pas de reste. On l'a vidé, revidé, rempli à nouveau, puis là, oui. C'est normal qu'il est encore dans une situation précaire, mais on va encore déblayer dit, la place. Après ça, il dit aujourd'hui, je n'achète pas. Mais me tourne la tête et j'achète à cause. Ça devient, c'est devenu une manie, ça. Oui. Je vous jure, il y avait le comptoir d'Abdoul qui était là. Il y avait juste le coin en avant du comptoir qui était disponible. Et à partir de ce petit coin qui était disponible, le magasin était plein. De là jusqu'au fond, jusqu'à la quatrième pièce, je te jure, Rocco. Mais nous, c'est pour attraper les curieux comme toi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on... Mais oui, t'as réussi. Il y a des gens qui aiment ça, le fouillis. Lucho, t'as réussi. C'est lourd, hein? Mais l'aiguille est vraiment fumée. Oh, j'aime bien le son. Oh là là, il manque de force. Non, le chou, il faut le recrinquer. Il faut lui redonner des forces. Oh là, waouh! Manque de vitamines! Attends, on va l'enlever. J'ai de la misère à reconnaître la mélodie, par exemple. C'est ça, la mélodie. Et déréglée. Je crois que ça serait une bonne idée que Lucio prenne le temps de dégager et de réinstaller, d'aérer. Ça serait une très bonne idée. Mais qui est capable de le convaincre? Si vous me trouvez quelqu'un, si tu me trouves quelqu'un qui est capable de le convaincre, bravo! Questo viene dal mio giardino. E ogni anno ne coltivo diverse. Le conosci le comarelle? Sì, mia madre te l'ha già visto. Pure le comarelle faccio crescere. Lucio et moi avons découvert plusieurs de nos points communs. Notre amour des vieux objets et notre origine italienne, bien sûr, mais aussi notre affection de la langue française et notre carrière d'enseignant. Lucio est un professeur de français à la retraite, maintenant recyclé en antiquaire, philosophe. Une philosophie toute simple qu'il préserve jalousement, comme tous ses trésors oubliés. Cuore di bue, saporitissima. Ma è rinfrescante la tomata l'età. Allora, però ogni giorno c'è la cravatta. Quella che ti ha preso in apparenza, qualcosa. Io andavo a caccia diversi anni fa con la cravatta. Perché non potevo sopportare che i rami degli alberi entrassero. No, la cravatta. Questo è un antipasto, dopo si mangia la pizza. Séduit par ce personnage hors du commun, je lui rendais visite toutes les semaines, puis tous les jours. Je faisais maintenant partie des meubles. Hey, encore un peu, on rentre plus ici. Hey, tiens, Rocco, tu viens m'aider? Ciao, Lucio. Hey, t'arrives juste à temps, c'est bien ça? Allez, c'est beaucoup mieux que hier, Lucio. Ici, on a besoin toujours des bénévoles. C'est une échelle? Non, c'est pas nécessaire. Juste le tenir ici, regarde. Attends, passe à l'autre côté. Juste le diriger, moi je vais le descendre à la verticale. Comme ça, voilà. Je n'ai pas tombé sur toi, là. Ok, voilà. Bon, il est rendu. C'est un buffet horizontal de cette salle à dîner des années 20. La dame qui a acheté ce meuble-là, il a vu les verres, il veut les avoir, mais j'ai dit, sont donnés avec le meuble. Était contente de l'achat. J'ai vite compris que Lucio n'était pas un marchand traditionnel. Les prix dérisoires, les livraisons gratuites et les petits cadeaux à une clientèle toujours plus rare m'ont convaincu qu'il ne tenait pas son commerce simplement pour gagner de l'argent. Mais alors, pourquoi ?
C'est ça, déplacer les choses. Tiens, tu vois les trésors, les autres qui sont. C'est ça. When you and I were young. Ah ouais, Rocco, si tu veux manger ce soir. Se pouvait-il que l'enseignant d'hier, qui transmettait inlassablement son savoir, soit devenu antiquaire pour transmettre un peu du savoir-faire d'autrefois? Ce drôle de commerçant m'était de plus en plus sympathique. Mais, OK. On le met à terre d'abord. Lève-le. Yeah. Au fil des jours, on partageait nos anecdotes d'enseignants et notre vénération des vieilles choses. J'admirais son travail d'artisan et de patenteux qui donnait une seconde vie aux objets inanimés. On est prêt? On est prêt? Mais accorde là-bas sur toi, mais c'est pas trop dangereux. Okay. Bon, la porte là-bas dans la... Oui, dans la voiture. Voilà. Juste un trajet comme ça. OK, on y va. Un, deux, trois. Monde, si t'es capable. T'es capable? Ouais. En étant témoin de son accueil chaleureux et de sa générosité à l'endroit de tous et chacun, j'avais envie de partager ma découverte, de faire connaître Lucio, qui était, à mes yeux, un véritable trésor d'autrefois. Et voilà, opération. Terminée. Mission accomplie. Ouais. Oh. Voilà. Bon, on fait la mise. Voilà. Oui, ah, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va bien. Oui, bienvenue chez moi. C'est un petit peu bordélique, là. Tu m'avais pas dit que c'était le premier étage. Mais non, c'est au deuxième. Je suis habitué, je les connais. Okay. Des fois, on va au troisième, c'est encore pire. Okay. Pas drôle, hein? Ben, demande-lui. Comment il s'appelle? Mario. On a besoin d'aide. Non, ça prend toujours trois personnes pour ça, sinon. Mais le poids va être en arrière, là. C'est pas grave, c'est pour ça que ça prend deux personnes. Attends, arrête. Il faut que tu le baisses un peu là parce qu'il est rendu trop vers le coin. Vas-y. Ça va, Lucio? Ça va? Prends le café. Non, il n'embarque pas. Ah, c'est toujours à Lucio, en fait, que s'il faisait le ménage de son magasin et s'il plaçait bien ses meubles, là, il ferait une fortune. Oui, mais là, on va y arriver peut-être un jour. Parce qu'en fait, quand on va chez les autres antiquaires à Montréal, on se rend compte que Lucio, il vend ses meubles, mais il nous fait plaisir en même temps. Comme il devait être pénible pour Lucio de voir son magasin lentement s'enfoncer dans l'oubli, ses fidèles clients disparaître et ses revenus aussi. Il fallait trouver une solution. Sa boutique était devenue un refuge pour l'enseignant retraité, mis au rancard de la société. Mais l'antiquaire ne voulait pas se retirer à son tour. Oh, ça m'intéresse pas, parce que je suis assez gêné pour ramasser les choses. Il y en a d'autres qui vont la ramasser puis vont me l'amener au magasin. Oui, mais même avec le beau temps, ça va changer l'allure des clients. Il y a vraiment pas des nouveaux clients. C'est toujours les anciens, puis on manque d'une fréquentation régulière, pour dire plus. Ouais.
des contretemps incroyables. Ça veut dire que les journées sont presque 5-10 dollars par jour. On va pas loin. Les gens ne s'intéressent pas? Ils s'intéressent, mais souvent c'est la question de prix. Hein. Parce que dans l'usager, nous autres, on ne va pas cher. Puis quand tu demandes un prix un peu huppé, comme on dit, sont réticents les gens pour se décider. Bon, OK. Moi, je dois travailler, je n'ai pas de temps à perdre. Je dois la raffiner pour l'atteindre, ça, j'attends que la client arrive. J'ai cassé mes ongles ce matin. Ça fait au moins 42 ans que je suis entre le magasin et l'école. 42 ans, c'est toute une vie. Hein. Je suis resté 33 ans à la même école. J'ai fait une année au secondaire, 33 ans à la même école. À 62 ans, j'ai pris ma pension. Et là, ça fait déjà 10 ans que je m'occupe à plein temps du magasin. Mais 6-7 ans avant, je l'avais déjà, de prendre ma pension, je l'avais déjà ouvert le magasin. Bon, je me surprends moi-même comment ça que j'ai encore tant d'énergie, mais là... C'est pas les graines à chipi, ça? Aussi, mais on les partage. Hein? Hey, salut Martin. Hey patron, ça va? Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va. Puis, y a-t-il des nouvelles choses? Hey, c'est vieux, ça. Mais ici, on a toujours des nouvelles choses. Au jour le jour, on a toujours des vieilles choses. C'est mis de où, ça? Vous avez trouvé ça dans votre hangar? Non, moi des fois, il m'arrive des lots de matériel. Et parmi un tas de choses, on trouve des caméras, on trouve des écouteurs. On trouve n'importe quoi. Combien pour ça? Ben, ça c'était le fait qu'il est très vieux, ça prend au moins 5 dollars. 5 dollars? C'est égal de fil original. Oh, il est pas ça, mal. Ça doit être des années 50-60, ça. Voici Martin, un passionné d'antiquité, qui aime bien en faire commerce, lui aussi. Non, il y a de la bonne marchandise, c'est juste qu'on la voit pas, la marchandise. Comme tu vois, là, il y a un niveau là-bas qui m'intéresse, mais c'est impossible d'aller chercher un vieux niveau tout en bois. Ouais, il m'a offert une belle chaise que ça vaut 400-500$ pour 50 $, mais j'ai pas de cash. Aujourd'hui, ça va mal. Aujourd'hui, demain, ça va aller mieux. Combien pour la tasse? Ça, c'est dommage parce que les tours jumelles, il faut la recoller absolument. Ah, c'est pour ça que vous la gardez, à cause des tours jumelles? Elle était fêlée, mais là, il y a eu un coup. Fêlée aussi ici? Oui, elle était fêlée avant. Mais il faut la recoller juste pour la décoration. Je veux le niveau là-bas, là. C'est-tu le vôtre ou c'est un que quelqu'un vous a apporté? C'est le mien, ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, pour attirer un client. Mais il est à vendre? Oui. Combien? Comme je te dis, ça dépend de ton utilité. Avec la baisse d'achalandage, Lucio était disposé à considérer les stratégies de mise en marché qu'élaborait Martin. Après tout, il détenait peut-être la réponse qui permettrait à son affaire d'être à nouveau florissante. Il y a de quoi en haut qui empêche de... Finalement, je vais laisser faire. Non, mais c'est le cadre qui l'a fait débalancer. Sinon, il était possible de le faire embarquer. Il y a des années,
que la situation est un peu flottante dans les ventes. Ça veut dire qu'il y a des années que c'est bien normal, il y a des années que c'est très, très lent. Donc, envisager les dépenses, c'est ça qui m'a motivé toujours à avoir l'option de sous-louer la moitié du magasin. Je connais Lucio, c'est quand même près d'une dizaine d'années. C'est à peu près les mêmes activités, mais pas tout à fait. Parce que nous, on fait l'art et des choses qui sont vendues dans du neuf. Et lui, il fait l'usager. Mais j'avoue effectivement que c'est différent. On a quand même, on respecte l'option de garder une autonomie complète, soit dans les achats, soit dans les ventes. Mais lui fait vraiment la brocante tassée et puis du fouillis un peu, quoi. C'est un peu ça. Moi, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais on dit souvent, un proverbe qui dit qu'on n'apprend pas au vieux monsieur de changer leurs pratiques. C'est difficile. Donc, voilà. Parce que j'imagine être vraiment grande. Tu vois, quand les mains sont... Les bras sont pas assez longs, tu prends le balai. Même je vais vous la mettre de côté. Puis c'est dommage que vous ne vendez pas la lampe, là, je l'aurais bien pris. Celle-là? Oui. La vague. Mais je peux le vendre, mais c'est un peu plus cher, ça. Ça serait combien? Mais il faut me donner au moins 10 $. Parce que juste ça, là, pour le faire faire, ben ça, oui, c'est ça coûtait cher, le gars. Oui, il faut que je termine de quoi là. Ouh, c'est assez là. Je suis pas constamment sur le meuble là. Un peu à la fois, hein, de temps en temps. Ça, c'est une vraie antiquité, 1850. Plusieurs mois ont passé. Et en bon italien, j'ai eu envie de mettre la main à la pâte. Bien entendu, Maître Lucio était d'accord pour faire de moi son nouvel apprenti. Je réparais et je livrais les meubles, et parfois même, je tenais la boutique. Oui, mais après, il y a un raffinement à faire. Parce que ça, la brosse, elle est gratinée pas. Hein? Alors, c'est un minimum, ça. C'est bon, hein? C'est quel bois? Noyé. Rapidement, on s'est surpris à rêver qu'un jour, je pourrais prendre la relève. C'était magique. Ça, c'est l'art du décapage. Ça va vite, c'est efficace. Parfait. Stavamo cercando oggetti, anche mobili, per una casa in Canada. E Lucio, ad un certo punto, si è messo a parlare italiano con noi e ci ha detto, prendete quello che volete, io non voglio niente. Il piacere della vita, c'est ça. Guarda un po' da santa. Questa cosa mi ha colpito moltissimo. Quando vado a Montreal, non posso pensare a Montreal senza Lucio. Per me Montreal è Lucio. Alla felicità e al negozio e che duri tanto, tanto, tanto. Ma il negozio, come abbiamo detto, una volta che si matura la cosa... Ma siccome la cosa non matura, per fortuna... Ma lo sai che è capitato questa mattina? Ho preso tutti quanti per sorpresa. Perché si aspettavano di... di precisare l'offerta. Allora io ho detto no, il negozio non è a vendere. Ecco, così si fa. Non è da vendere.
questi qua volevano comprarle, no? Sì. Hanno trovato pretesti che era troppo ingombrante e che loro volevano mettere tutto fuori e prendere tutte le cose. Se manchi meno, sapevi tutti che faceremo lì. No. Questo pappagallino qua, e questa è quella che io chiamo arte, è messo in una gabbia. Sopra un tavolino arrovesciato gambe all'aria, tra una poltrona e una valigia rotta. E questa è come dire, non posso dire altro che fategli una foto e mettetela al Museo d'Arte Moderna. Ces lointains visiteurs et amis qui associaient le fouillis de la boutique à de l'art véritable comblaient Lucio, qui rayonnait de fierté et de joie. De toute évidence, ce couple de fidèles clients qui avaient traversé l'Atlantique appréciait Lucio et approuvait comment il préservait ses trésors d'autrefois. Situazione artistica. Noi spesso ce lo diciamo quando portiamo le cose in Italia o le teniamo. Questa viene da Lucio, è come un marchio di fabbrica, come il fornitore dei re di una volta. Sì. Grazie dei complimenti, ma giustifica la mia ostinazione che avevo ragione. Quando la gente mi dice no, è troppo ingombrato, non è un negozio, quella gente lì non capisce niente. No, infatti. Allora è così. Vous avez vendu ça? Ça? Ça vaut 15 dollars. À bon prix. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ben oui, ça. Hein? Ah, boy! E se sa, la giornata è antica. Est-ce que tu prends les deux ou tu prends la blanche seulement? Je prends la noire. La noire aussi? Oui. Oh, va falloir que je revienne. Non, calme-toi, on va te remplir ça, là, tu vas voir que je vais. Ben oui, mais avec les deux poirets, ça va. Alors, tu en as 7 ici et 3 qui doivent être encadrés. Ok, ça tu vas les installer comme ça. Voilà. Je t'accroche dedans. Là, tu es vraiment décoré. Allez, montre-moi ça. Vas-y, fais un effort, voilà. Ah, si. Mais comment je vais faire pour prendre le bus? Est-ce que tu prends un autobus? Moi, je marcherai jusqu'à chez toi un peu, tranquillement. À la prochaine. Bye. Je l'attendais, elle. Je l'attendais impatiemment parce que j'avais pas un sou dans mes poches. Puis là, ça réglait un peu le problème. Elle est lourde. Le soir sont un peu plus lourds que le matin. Oh! La fin de les déplacer de l'extérieur à l'intérieur, il y a toujours quelqu'un qui peut partir avec un morceau. Et souvent, j'ai perdu vraiment des beaux morceaux. Donc, il faut reprendre l'habitude souvent de les attacher. Sinon, ils vont disparaître. Malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai. Mais il y a toujours une place au soleil. Hein? Une place pour tout le monde au soleil. Voilà. Elle va se reposer pour la nuit. Bye, Chippy.
Cette place au soleil, Lucio y tenait plus que tout au monde, au point de se priver, une fois de plus, d'un repas en famille. Comme j'admirais cette détermination tranquille, cette ferme volonté de défier ouvertement les tristes prévisions quant à son avenir. Mais cette admirable ténacité n'était-elle plus maintenant que de l'entêtement? Combien de temps encore Lucio pourrait-il tenir? Des années? Des mois? Ou des semaines? Cette journée qui s'achevait était-elle l'une des dernières occasions qui m'était offerte de partager le quotidien de Lucio? Plusieurs semaines ont passé, et malgré tout, Lucio tenait bon. Martin lui avait de nouveau proposé différentes stratégies pour donner un second souffle à sa boutique. Ainsi, Lucio pourrait conserver certains de ses trésors dans l'entrepôt de Martin, pour dégager un peu d'espace, bien sûr, mais surtout pour mettre en valeur la marchandise et attirer le regard des acheteurs avertis. Mais Lucio était mal à l'aise avec ses nouvelles façons de faire, qui, à son avis, dénaturaient son entreprise. Ok, sors là dehors, sinon tu la laisses dehors, pas grave. Approche-toi. Fais pas Donne-moi semblable, ça. Il faut que tu m'aides. Donne-moi ça. Fais semblable ça, de m'aider, puis fais rien. Tiens ça là. Un chef-d'œuvre. Regarde ça. Comment ça vient d'arriver, ça, Lucio? Non, ça, je dois le restaurer. Comment tu vas restaurer ça? Ah oui, oui, ça. Tu vas restaurer ça? Oui. Après, comment? Après, je vais te le vendre très cher. Lucio, regarde. Regarde ces rires quand. Non, 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 ça, c'est, ils sont faits pour restaurer ça. Ça, ne t'inquiète, ça. Ne t'inquiète pas. Déprécie pas les choses quand tu peux être pas capable d'acheter. Mais parce que je fais de la place pour des choses plus importantes. T'as décidé de faire un grand ménage, là? Oui, oui. Ben, il faut tout innover, là, le magasin. Je songe de faire mettre ça même sur Internet. Si tu avais mon âge, tu travaillerais plus vite que ça. Bon, suis-moi. Dehors. Ça va. Ah, une belle table, ça. Dounia, bonjour. Elles font perdre du temps, des fois. Moi, je veux savoir, c'est comment ça que vous occupez des produits à Abdoul quand il n'est pas là? C'est quoi, là? Mais moi, je suis un homme que... de coopératif, ça veut dire je collabore, j'ai quand même, j'assume une responsabilité de vérifier les gens qui rentrent, qui sortent, et en même temps, je donne aussi une démonstration de ces articles-là que je connais. Pas de problème, je peux vendre aussi, hein. Bonsoir. Bonsoir. Hey, maman, ça va bien? Oui, oui, je vous rappelle?
Monsieur, toi, tu polis ou tu fais? Comment? Est-ce que tu fais la poussière, toi, là-bas? Non. Non, ok. Pourquoi? Non, je pensais que tu polissais. J'allais prendre un drap pour couvrir. Non, je vais t'amener un drap quand tu fais les travaux. Je suis en train de mettre juste des vis. Ok, mais je vais t'amener une couverture que quand tu fais des travaux... Oui, mais c'est rare que je vais sabler oui, ici. Oui, parce que bon, comme je vais mettre les vêtements maintenant... Le problème, c'est parce que comme les gens, ils viennent, et comme lui, il ramasse, il prend tout, quand ils viennent, ils se débrouillent pour venir faire un peu de sous. Et si lui n'a pas les sous pour les donner, ils ne veulent pas non plus lui ramener leurs affaires. Ben, donc, ils laissent devant la porte. Mais sais-tu combien de mes clients vont acheter chez lui parce qu'ils découvrent la boutique? Lui, c'est aussi à la peine de mettre ça à la poubelle. Donc, donc, tout le monde qui laisse, ben, le soir, il faut le rentrer. Elle a même constaté qu'il y a des gens qui viennent me voir régulièrement puis qu'à un moment donné, ils achètent aussi, surtout dans la période des festivités, ils achètent chez lui. Donc, il faut avoir le cœur, dire ne laissez pas ça là. Partez-en avec. C'était la seule façon qu'il doit dire aux gens. Partez-en avec, ne laissez pas vos affaires. J'ai pas d'argent pour payer, j'ai pas de place. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai les mains froides, mon nom. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Lucio? Alors, qu'est-ce qu'il faut raconter ici encore? Mais là, Lucio. Non, mais sérieusement, délai, je me demande pourquoi que ça vous angoisse trop que le magasin est rempli, vidé ou. C'est un magasin qui est fait comme ça. Oui, mais vous savez que la formule ne fonctionne pas. Mais qui t'a dit qu'il ne fonctionne pas? Combien pour les avions? Martin, te l'ai dit. C'est quoi les étapes, les prochaines étapes? Moi, j'ai des boîtes préparées, que même il y a des boîtes qui ne devraient même pas se rendre à l'entrepôt. Parce que j'ai des bons stocks. Mais on peut les amener temporairement, mais après, ils vont revenir ici. Oui, c'est sûr. Une à la fois. Quand je vais à l'entrepôt, je refouille encore, je remplis un sac et je l'amène ici. Parce qu'il y a des bonnes choses. Là, il y a une boîte de chandeliers qui est, parce que je suis en train de dégager ce comptoir-là pour le déplacer. Parce que la table qui est en dessous est vendue. Oui. Il faut que je la sorte. On le met où, le comptoir? Avec le temps, je vais vous amener des armoires vitrées, puis vous n'aurez plus besoin de ça. Parce qu'on va mettre la marchandise dans les armoires vitrées. Puis là, à partir de là, ça va être nos démos qui vont rester ici, puis ça va être des commandes, ça va être sur commande. Parce qu'il y a deux options. Il y a soit qu'on rentre du matériel nouveau, puis ça rentre, puis ça sort, puis c'est vendu. Ou l'autre option, que c'est juste des démos, puis les gens commandent. Parce qu'un coup, ça va être dégagé. Là, peut-être Abdoul va les ôter, ces deux armoires. Il ne va pas les enlever. Lui, regarde, il m'a fait cette bordure-là qui est affreuse. Après, ça te m'a consulté. Mélamine, là? Ben oui, mais regarde ça. Ouais, il veut cacher ici. Lui, c'est sa place. Mais moi, ça me dérange. Oui, mais peut-être qu'après, il va être d'accord à bouger les choses. Je vais lui proposer, mais là. C'est parce qu'il n'y a pas. Dans sa tête, il n'existe pas le critère de la différence. Oui, mais il ne sera pas trop tard pour le changer, là. Oui, mais va lui dire que c'est pas beau. Lui, il trouve que c'est beau. Bon. Abdoul, c'est pas un problème pour moi. Abdoul, il faut qu'il fasse ce que je lui ai dit de faire. C'est assez. J'ai tout mis là, Les mois ont passé, et malgré nos efforts pour tenter d'aider Lucio à relancer son entreprise, Martin et moi étions impuissants à lui faire adopter nos nouvelles idées. C'était prévisible. Rares sont les antiquaires qui apprécient le changement. Mais la menace de la disparition de sa boutique se faisait de plus en plus réelle. Et on voyait bien que la détermination de Lucio commençait à s'effriter.
Ben, toutes les tables qui ne sont pas assemblées, non, ils sont dans mon locker. Ouais, ça, faudrait que vous veniez. Je vois ça, parce que. Faudrait venir un matin, puis. Non, moi, il faut que assembler je réintègre tout ça. Vous venez juste de dire un mot qu'il ne fallait pas dire. Vous me parlez de réintégration. Parce que je perds du temps, moi. Moi, je pense que les idées qu'on vient de parler, ça fait une semaine, on ne discute pas. Je pense pas qu'on va prendre une décision comme ça. À la fin, tu dois être content de ce que tu fais. Parce que moi, je remarque ces dernières semaines, tu sais, je te vois pas comme le même Lucho que je connais. Ça serait mieux de continuer comme ça. Au moins, tu es content. Tu viens au travail, tu fais tes choses, tes relations avec les gens dans le quartier. Ouais. Pour moi, c'est ça que je vois. Sinon, Lucho, si c'est une question d'argent, alors peut-être c'est peut-être mieux de. De fermer le magasin. Tiens, j'ai apporté ça il y a 3 semaines. J'ai dit, vous le vendez, sinon vous le jetez. Il est empilé, là. Tout ce qu'on avait vidé, ça s'est rempli. On avait tout vidé ici. C'était vide. C'est ça. Les rares trésors que Lucho entreposait chez Martin n'y séjournaient pas bien longtemps. C'était sa manière à lui de faire un pied de nez au destin. C'est le temps d'écrire des chansons maintenant, Lucho. Les chansons sont à l'ordre du jour. Je commence à avoir une bonne inspiration. Qu'est-ce qui va se passer après le magasin? Vous allez devenir poète? Non, je suis déjà poète. Je vais devenir peintre, voyageur. Vivre un peu dans la liberté. Pas avoir d'engagement. Mais t'as créé une chanson. Sur quoi? Attention, la dame. Ça parle de quoi, ces chansons, Lucho? C'est une chanson d'adieu. Que quand je crèverai pour le plaisir des autres, ils vont me la faire jouer en m'accompagnant. Comment ça s'appelle? Goodbye, au revoir, arrivederci, ciao. C'est ça la chanson. Ouais. Puis, un jour, l'inconcevable s'est produit. C'est ma marque préférée. C'est allemand, ça? Moi, j'ai un magnétophone de. C'est un vrai studio. C'est au moins de. C'est de 1964-65. C'était ultra moderne. Bon. Dans la vie, il y a toujours une page à tourner. Puis ça fait un gros volume à la fin. Un gros volume à raconter. Alors, Trésor d'autrefois, il a fait son temps, malheureusement, mais c'est pas fini non plus. Hein. Mais Trésor d'autrefois, ça reste toujours le charme de votre décor. Quand vous trouvez quelque chose de... Quand vous trouvez quelque chose de vraiment nostalgique, c'est Lucho au bout de ça. Thank you.
peux pas abandonner certaines choses, c'est impossible. Lascia qua questa butta. Eh no. Ce que je redoutais depuis si longtemps se déroulait là, sous mes yeux. Merci. Adieu, monsieur le professeur. Oui, allô? Oui. Ça va mal. Même en cet instant cruel et douloureux, Lucio a pris le temps de partager l'un de ses trésors d'autrefois avec la nouvelle génération, ma fille, Jasmine. Sauf les souvenirs, monsieur. Il ne nous reste que les souvenirs ici. Non credo che fosse possibile in Italia, perché quello era un negozio di frontiera. Cioè era una frontiera immaginaria tra culture e mondi completamente diversi, come se si fosse scavata una nicchia involontaria tra dei mondi. Incredibile o divertente che noi sapevamo ogni anno che il negozio poteva chiudere, perché le difficoltà economiche erano tante, perché Lucio ci diceva ogni volta che arrivavamo adesso metto tutto in ordine, ristrutturo, organizzo le e cose. Noi speravamo che non lo facesse. Noi speravamo che non lo facesse e non l'ha mai fatto. Era un non negozio. Il principio fondamentale era che le cose bisognava trovarle. Non si potevano vedere in vetrine. Ma Gipieto, riparei, se che si va più le antichità, va a andare in pensione, eh? Se va là? On l'a entamé d'une façon convenable et en 3 heures était vidé, le magasin. Quand t'as des bras autour, il n'y a pas de problème. Et avec détermination, on a réussi vraiment à tout dégager, à tout vider, et la page est tournée.
On n'en parle plus. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que veux-tu faire, hein? On n'a jamais compris où qu'on s'en va. Ça veut dire qu'il fallait arriver à ça, puis ça a été vraiment un succès. Bon, c'est tout. On a fini. Et voilà, c'est ainsi que Lucio et moi avons perdu contact. Mais pas tout à fait, puisque plusieurs de ses trésors sont hébergés chez moi. Même sa petite perruche, Chippy, est en pension chez nous. Autant de souvenirs d'une personne remarquable qui a marqué ma vie et celle de mes proches. Cette séparation a été subite et difficile, Lucio. J'ai donc voulu mettre en mots ce que les images ne pouvaient exprimer. Mais les mots sont comme les images, on peut mal les interpréter. Alors Lucio ne retient de mon passage dans ta vie que mon désir d'immortaliser ces trésors d'autrefois et celui qui en était le gardien.